Salut à tous, bienvenue à Benidorm, où je suis pour la présentation de la Daytona 660. Je viens de faire un essai qui a duré toute cette journée et qui était plutôt intéressant. Et je ne vais pas vous la faire à l'envers. Cet essai a un petit goût un petit peu bizarre, à savoir que c'est une moto qui est assez polémique. Tous les fans de la marque attendaient une 765 Daytona et Triumph a dégainé une 660. Et donc, c'est vrai que pas mal de gens ont été déçus par rapport à la cylindrée, se sont dit, ben, c'est dommage, l'ADN sportive, en plus ils sont en moto 2, tatati, tatata. Alors, il faut bien comprendre le positionnement de Triumph à propos de cette moto. Pour revenir à la base, on est sur un essai ici uniquement routier, donc on n'a pas roulé sur circuit, ce qui en dit long sur la vocation routière de cette moto, et absolument pas, ce n'est pas une super sport, c'est bel et bien une sportive routière, avec une position qui est franchement relaxe, et donc c'est une moto qui n'est pas destinée spécialement à faire du roulage sur circuit, et ils ont fort insisté là-dessus, c'est une moto routière. Pour comprendre la démarche de Triumph par rapport à ce modèle, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, ils ont fait une étude de marché. Alors, pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, il faut faire des grosses études pour placer des produits exactement là où il faut, pour toucher un maximum de public. Et on va dire que je ne suis pas le public visé par cette moto, même si j'ai beaucoup apprécié la journée. Le public visé est plutôt jeune. Ils ont voulu rentrer sur le marché une moto à prix compétitif. Alors, cette moto coûte 9 995 €. Donc, ils sont tout juste à la base symbolique des 10 000 pour être bien placé au niveau du marché, et donc ils ont voulu toucher un public qui est plutôt un public jeune, trendy, tendance. Ils ont voulu donner un look à cette moto sportif, mais pas trop. Moi, je la trouve superbe, ça c'est une chose. Alors il faut savoir que dans son segment et par rapport à la concurrence, c'est sans doute une des plus performantes. Alors en fait, pourquoi je dis une des plus performantes? Parce que à la concurrence, il y a aussi l'Aprilia 660. Donc en fait, cette moto, elle est là pour en fait venir s'intégrer dans ce segment et venir disputer des parts de marché dans cette catégorie. Et donc c'est ça qui justifie, je dirais, un petit peu son équipement dont je vais parler juste après. Donc en fait, cette moto, eh bien, en fait, beaucoup de gens regrettent le fait que Triumph l'ait appelée Daytona. C'est toujours difficile d'intégrer un nouveau nom dans une gamme, et je trouve qu'elle mérite clairement le nom Daytona après l'avoir essayé, et je trouve que cette moto est tout à fait cohérente. Alors, le deuxième point qui est un peu polémique, c'est que les suspensions sont totalement non réglables. Alors la seule chose qui est réglable, c'est la précharge de l'amortisseur arrière. À l'avant, il n'y a rien à faire, et donc il faut s'adapter. Et donc c'est vrai qu'au début, c'est vrai que dès qu'on a commencé un petit peu à taper dedans, eh bien la moto a eu malheureusement un peu tendance à se désunir. J'ai commencé à piloter d'une manière différente, en étant plus doux sur la poignée. Enfin, même, vous verrez que le rythme était bien présent, donc on a bien attaqué. Mais je me suis beaucoup plus déplacé sur la moto pour essayer de déplacer le poids, pour un petit peu moins charger les suspensions. Et au final, j'ai réussi à avoir un très bon rythme. Et j'ai été très vite avec cette moto. C'est pas compliqué, j'étais à la limite. Et à partir du moment où on a bien intégré qui va rouler avec ces motos et qui est le public cible, eh bien, on va comprendre que les réglages de suspension sont une fois de plus très cohérents selon moi. Et alors certes, je ne vais pas dire que c'est vraiment trop souple, c'est un peu trop souple. Il y a des motos qui sont sorties qui étaient vraiment trop souples, ce n'est pas le cas de cette Daytona. Et pour finir, j'ai terminé la journée avec un très très bon rythme et les suspensions étaient parfaites. La moto n'a pas de quick shifter, donc c'est une moto où il faut embrayer pour passer les vitesses, tant en montée qu'en descente. Alors l'option quick shifter up and down est proposée, et pas dans un package, ce qui est pas mal, elle est proposée uniquement en quick shifter, et c'est, je pense, si je me rappelle bien, au-delà des 360 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable et même bas pour un quick shifter up and down. On l'aura compris, en fait c'est une sportive, et je dirais que c'est une sportive d'entrée de gamme, donc à 10 000 €, qui reste tout à fait compétitive par rapport à la concurrence. Et donc c'est une moto qui est relativement basique. C'est vrai que l'écran n'est pas un full TFT comme une télé. L'écran et le compteur sont très lisibles. Il y a trois niveaux, il y a trois modes de puissance, il y a trois niveaux de traction control, il y a moyen de tout désactiver, enfin toutes des choses tout à fait classiques. Et donc voilà. Alors au niveau moteur, ça c'est quand même important. C'est vrai que pas mal de gens se sont dit le 660 dans une sportive, ça va pas le faire. Comprenons bien que ici le 660 cm3, qui est un 3 cylindres, qui a ce fameux petit sifflement typique de la marque Triumph, eh bien il est monté à 95 chevaux. Ça veut dire que la partie moteur a été revue de A
à Z, donc c'est un 660, avec l'échappement, enfin tout a été vu pour passer la norme Euro 5 et développer quand même 95 chevaux avec un couple qui est tout à fait raisonnable. Grosse qualité du 3 cylindres, c'est évidemment les mi-régimes, son couple. Donc moi j'ai trouvé le moteur tout à fait convaincant, très plaisant, très agréable, un vrai 3 cylindres. Vraiment, moi j'aime beaucoup le 3 cylindres depuis toujours, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il y a une belle allonge et le moteur est tout à fait convaincant. Alors au niveau du freinage, ben, je dois dire que quand j'ai vu le logo Triumph sur les étriers, j'ai demandé quelle était la marque, on m'a dit Triumph. Ils ont peut-être intégré la production d'étriers, et je dois avouer qu'une fois de plus, c'est très convaincant, ça freine très bien, jamais pris en défaut. Il y a des moments où freinage vraiment limite, bon, les routes sont un petit peu sales parfois, et donc oui, j'ai déclenché l'ABS à l'avant et à l'arrière quelques fois, mais ça freine super bien. Bon, au niveau de la ligne, je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je la trouve très très belle, je la trouve très réussie. La position de cette moto quand on est dessus, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sportive routière, donc en fait c'est pas des demi-guidons, c'est un T de fourche qui intègre des demi-guidons mais qui sont relevés, donc on a franchement une position qui est vraiment agréable, un tout petit peu sur l'avant, enfin juste comme il faut par rapport à ce segment de moto. Au niveau des pneus, les pneus sont des Michelin Power 6, donc 6e édition de ce pneu, et on ne l'a pas mis en défaut. On a tous été étonnés par un truc assez incroyable, c'est qu'on a roulé avec des motos, nous on est le 3e groupe de journalistes, et donc ça veut dire que ces motos ont déjà fait 3 journées complètes avec des journalistes à leur bord, et on a fait 170 km, et c'est la même chose pour les autres. Traduction, la moto a 500 km, et quand on a regardé les pneus en sortant de la moto à l'instant, eh bien on regarde, et en fait ils sont comme s'ils étaient neufs, la marque Power 6 est toujours là, les petites lignes et tout ça, c'est incroyable, ces pneus doivent faire des kilomètres et des kilomètres, c'est assez impressionnant, et malgré tout, alors il a fallu un peu les chauffer quand même, parce que juste après le lunch, je suis entré dans un virage assez sale et j'ai glissé de l'arrière, le pneu était froid, mais dès qu'on les chauffe un peu et qu'on prend la peine de les chauffer, eh bien en fait, j'ai pas du tout mis ces pneus en défaut. Alors rappelons-nous aussi que la Daytona 675, qui est sortie il y a 10 ans, j'y étais, la R, qui était absolument superbe et qui était une vraie super sport, eh bien, n'était jamais qu'à 15 cm3 de celle-ci. Alors évidemment, quand on a un 3 cylindres qui est de 660 cm3, donc juste 15 cm3 en moins, eh bien, on a quand même un moteur qui fait 95 chevaux. Mais alors, quand on perd de la puissance, évidemment, on gagne du couple, on gagne de l'agrément et on gagne de la fiabilité. Et c'est ce qui a été recherché pour ce modèle. Avec justement aussi, ils ont pensé, je dirais, au porte-monnaie des jeunes et moins jeunes qui achèteront cette moto, à savoir que le choix des pneus, pour avoir des pneus qui durent longtemps et pas spécialement ultra sport, et pourtant avec un super grip, donc ça c'est top, une moto qui est entretenue tous les 16 000 km, donc ça veut dire que vous pouvez faire déjà des bornes avant d'aller à l'entretien, et tout a été fait pour essayer de rester dans des coûts raisonnables, tant en production, qu'en utilisation, et ça il faut saluer ça, à savoir que la vie coûte cher de plus en plus, et ça fait du bien pour tous les motards d'un petit peu soulager le portefeuille avec ce genre de choses. Enfin, il est toujours difficile de s'exprimer, si vous voulez, je sors de la moto à l'instant, j'ai eu la présentation presse hier soir avec un paquet de données, on a juste le temps d'aller dormir, enfin manger et dormir, on se réveille, on est sur la moto, on doit examiner les sensations, tout ça, et puis on sort de la moto, on se retrouve ici devant la caméra, et il faut avoir tout ça à l'esprit, et c'est assez compliqué, donc si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, adressez-vous à nous via les réseaux sociaux, et on vous répondra avec plaisir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, merci à Triumph pour l'invitation, et à très bientôt pour un nouvel essai. Gaffe sur la route !